était rude, mais nous avons forcé l'Institut à battre en retraite. J'en ai discuté avec les sept, et nous avons convenu qu'il fallait fêter ça. Tenez, distribuez ces invitations à notre fête au chef de bataillon. Je dois gérer des affaires personnelles. Mais ne parlons pas de ça. Ça va être la fête. Wouhou ! Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, si vous vous battez pour nous, vous êtes avec nous. Cette fête. Par contre, on vous a bien dit que c'était à vous de tout nettoyer, hein? Bon, je peux vous aider. Au moins, un peu. Mais en vrai, j'ai surtout besoin de vider mon sac. Sur l'IO. Elle était très intéressée par leur architecture système, je devrais m'en inquiéter. Je réponds à ma question, oui. Absolument. Ça fait mal au crâne, ouais. L'ignorance, y a que ça de vrai. Je sais. L'onirisme disait qu'elle en avait marre de ne pas savoir qui elle était. Et que chaque fois qu'elle cherche des réponses, c'est comme si quelqu'un la devançait. Ce à quoi j'ai répondu avec une blague que je trouvais désopilante, mais en y repensant maintenant... je me dis que je préfère ne plus y penser... du tout. L'origine est convaincue qu'elle l'a trahi parce qu'elle s'est échappée de la prison dont il devait lui-même être sauvé. Il pense qu'elle a été aidée de l'intérieur, mais il n'a aucune preuve. Une intuition masculine, sans doute. Et puis, quand bien même il en aurait la preuve, il faut reconnaître que les gens changent. En tout cas, c'est ce que je me dis. Le paradigme m'a dit qu'elle avait des informations cruciales à me transmettre. Sauf que l'Institut a brouillé mon signal. Aidez-moi à trouver et à détruire leur brouilleur, que je puisse écouter la suite.
confiance au paradigme. La vérité, c'est que je n'ai aucun souvenir de mon passé. Absolument aucun. Il n'empêche que j'ai foi en les sept. Et puis, je suis là, non ? Merci de m'avoir écouté. C'est la première fois que j'ose dire tout ce que j'ai sur le cœur. J'ai confiance en vous. Alors, merci d'être là, à mes côtés. Bien, pour en revenir au décryptage. Appelle le scientifique.